Là, je me fais chier. Pourquoi nous a dit d'aller dans le jardin, Choumi? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, hein. Ah bah te voilà. Ouais, sorry, je suis en retard. Donc, j'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai réunis dans le jardin. Réunis, c'est pas vraiment le nom, on est que deux. Et oui, pourquoi tu nous as fait venir là? Il caille. En plus, j'étais en train de jouer à un jeu. Ouais. Bon, alors, comme vous le savez, on a fait un Christmas tag il y a pas longtemps. C'est quand Noël? C'est passé. Mais calmez-vous. Hein. En fait, le truc, c'est que j'ai pas pu vous donner vos cadeaux allemands avant. Quoi? Parce que j'avais la flemme. T'es méchant. Merde. Tu peux parler, chaud. Bon, bref. Du coup, pour rattraper mon retard, je vais le faire tout de suite, votre Noël, et il y a un petit cadeau en plus. Enfin, petit. Pas si... C'est quoi? Je vous propose de venir avec moi et bah, vous verrez. Yaloué nous en met encore. Oh. Hein? Mais c'est qui elle? Salut. Je rêve. Dites-moi que je rêve. Maëva! Maëva, ça fait trop longtemps. Pourquoi t'es partie? Pourquoi? J'y peux rien, c'est le maître des anges qui m'avait appelé, c'est pas ma faute. Et bon, maintenant je suis là, hein? Quelqu'un peut m'expliquer là? Alors en fait, si tu veux, Cho, Imé et Maëva se connaissent depuis un petit bout de temps. À vrai dire, elles sont meilleures amies, mais Maëva avait dû partir. Pour quelque chose, et du coup, Imé était seule, et c'est pour ça qu'elle a fait une colocation avec toi. Mais maintenant, bah, Maëva est revenue. Pour me casser? Non, tu peux quand même rester. Comment? Je viens juste faire une nouvelle colocation avec vous. Vous avez une nouvelle coloc comme ça. C'est marrant. Bah, maman, c'est juste trop bien. Oh, Maëva, pourquoi t'étais partie? Pourquoi? Je suis désolée, tu as dû te sentir seule sans moi. Je suis là maintenant. C'est bien tout ça, mais si vous ouvriez vos cadeaux, il y en a plusieurs. Vous avez deux chacun, sauf Imé. Enfin, comment dire, c'est tout dans un seul paquet pour Imé. Va aussi en a un. Il en a même deux. Il y en a aussi pour Lise, mais. Bah, il est là aussi. Lise n'arrive que demain, donc. Voilà. Elle arrive demain. Vous ouvriez vos cadeaux, vous trois. Je garderai ceux de Lise au chaud. Comme ça, je leur passe. Au chaud. Ah ouais, dans ta chambre quoi. C'est une blague. Oui. Bon bref, allez, ouvrez vos cadeaux. Bon bah je commence, hein. Alors, voyons voir ce que c'est. Une figurine de... Oh... Trop chou... Non, il est... C'est à moi. C'est à moi, tu ne l'auras pas. Ouais... Bon bref, c'est à qui ma... Mon deuxième est... Une figurine de mon jeu préféré... De mon jeu vidéo préféré. C'est trop cool, merci Choumi. De rien. Et celui-là non plus, tu y touches pas, il met en c'est le mien. Mais j'ai rien dit. Et vos papiers là-dedans. Moi maintenant. Non, trop chou. Oh, j'adore, il est trop choupinou. Et t'as encore des trucs dedans. Ah oui, qu'est-ce que ça peut bien être? Là. Petit joujou trop chou. Poupée d'un bébé. Encore un. Cette fois, il est roux et il a une couche. Troisième. Ah bah celui-là, il est un peu différent des deux autres. Il est trop mignon. Il y a aussi deux petits doudous. Ils sont trop chou. Trop cool mes cadeaux. Oh merci chou. De quoi les namours. Mais c'est pas juste. Imi, elle en a eu plus que moi. Oui, mais ils sont tout petits. Il y en a un normal et 5 tout petits, donc... Ben, ça passe. C'est chaud, hein, arrête de faire ton jaloux. Eva. Quoi, j'en ai aussi? Bon, ben, si vous insistez... Un petit zèbre. Oh, il est tout doux, il est trop mignon. Merci beaucoup, Madame Choumi. Appelle-moi juste Choumi. Et tiens, tu en as un autre là-bas. Mais c'est trop... Une petite gazelle maintenant. Oh, mais vous êtes trop gentil, Chou.
Merci. Et tu sais, c'est normal, hein. Tu sais, maintenant, tu es une doll de la maison, comme les deux autres débiles, là. T'es débile ? Comment tu viens de traiter le mec le plus beau, le plus swag, le plus cool du monde de débile ? Pfff. Mes fans, ils vont s'en prendre à toi, meuf. Bon, on va dire que je retire ce que j'ai dit, hein. Calmez-vous, merci. Bon, ben, ce petit Noël vous a plu ? Ouf, il y avait l'autre gamine, là. Tu traites de gamine ? Sinon, moi, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai bien aimé. Il y a Maëva qui est arrivée. D'ailleurs, Maëva, t'en as pensé quoi, toi, alors ? Rien que le fait de te voir aimer, c'est déjà le plus beau cadeau du monde. Sinon, j'ai trouvé ça assez marrant. Et puis, j'ai hâte de faire connaissance avec ton copain, là, chaud. Moi, j'ai pas très hâte. Dis donc, sois plus gentil, quand même. Toi ? Non, excuse-toi. Pardon. Qu'est-ce qu'il a ? J'ai fait quelque chose de mal ? Un grognon, c'est pas contre toi, hein, mais il est tout le temps grognon. Il est méchant. Ah, t'es méchant, chaud. Toi, la naine, tu te tais, ok ? Je suis pas une naine, d'abord. Bon, bref, arrêtez de vous chamailler un peu, d'accord ? Maëva, je t'ai déjà fait visiter la house, donc, voilà. D'ailleurs, j'ai hâte de m'installer. Parce combien de temps, en fait ? J'habite ici. Non, deux nouvelles filles à la maison, là, c'est pas possible. Non, moi, je dis non. Chou, mais t'aurais pu me prévenir, quand même. Je t'avais déjà prévenu pour Lise. Oui, mais pour l'autre, là, ma truc, là. Maëva, abruti. D'abruti, elle. Calmez-vous, c'est Noël. Elle a raison, chaud. Calme-toi un peu. Une gêneuse de plus. Deux avec Lise. Chaud, tu ne veux pas faire plaisir à Inée ? Lise était sa senpai et Maëva est sa meilleure amie. Et puis c'est Noël. D'accord, chaud ? Tu fais des efforts. D'accord ? Ouais. Les dolls de Choumi Pulip vous souhaitent un joyeux Noël en retard et une bonne année. Ciao !